Amis jardiniers, bonjour et bienvenue au potager qui dit non. Aujourd'hui je vais donc vous parler euh, compost et compostage. En fait, euh, chacune de ces parcelles euh, ici sur, le, sur ces jardins familiaux bénéficie euh, ou est équipée euh, d'un composteur de ce type. Euh, c'est très bien, ces, ces composteurs font 620 litres de contenance. Euh, ils sont donc fabriqués en plastique recyclé et recyclables d'ailleurs, c'est une très bonne idée. Hein. Ils sont parfaitement adaptés, je pense, euh, voilà, à la surface des parcelles qui sont les nôtres ici. Et euh, la plupart de ces composteurs sont effectivement utilisés par les jardiniers. On compte quand même 5 millions à peu près de composteurs euh, individuels en France. Hein, euh, C'est une preuve, hein, s'il en fallait une, je dirais de l'efficacité un petit peu de ce dispositif, quoi. Alors, essayons de comprendre un petit peu ce qu'est le compost et comment il se forme le compost est obtenu donc à partir du recyclage de déchets organiques, hein, évidemment, et ça va produire un matériau fertilisant naturel. Hein, donc le compost, euh, en quelque sorte, est écologique hein, puisqu'il permet notamment de limiter la quantité de déchets euh, verts exportés. c'est déjà une chose intéressante en soi. Euh, il est aussi, par ailleurs, économique, ce compost, puisqu'il est gratuit euh, finalement à produire. Et enfin, euh, il y a aussi une, un intérêt biologique, hein, puisqu'il contribue en quelque sorte à l'amélioration euh, du sol, hein, puisqu'il améliore la fertilité à terme du sol, mais surtout euh, la structure, hein, notamment des sols lourds euh, ou argileux notamment. Le compost euh, va aussi permettre le réapprovisionnement euh, en humus hein, du sol, ça c'est aussi quelque chose d'important. Il faut savoir qu'il y a à peu près... 2 disons de l'humus du sol qui est perdu chaque année euh, parce que cet humus est minéralisé, ce qui est un processus tout à fait normal et naturel, hein, et souhaitable même puisque c'est cette minéralisation qui euh, approvisionne la solution du sol en sels minéraux qui vont alimenter les végétaux ensuite. Le compost il est également utilisable incorporé au substrat pour les semis, mais dans ce cas il faudra prendre la précaution quand même de le tamiser préalablement. Bon je crois vraiment que tous les jardiniers sont d'accord sur les disons les multiples intérêts de, de ce produit qui est de compost. Hein. Ça c'est à peu près clair. Hein. Alors comment obtenir un bon compost à partir d'un composteur de ce type Il y a trois règles à respecter. D'abord il faut bien mélanger les matières vertes azotées et les matières brunes, carbonées, hein, ça c'est important, dans de bonnes proportions ensuite il faut aérer le compost de temps en temps car l'oxygène est indispensable aux micro-organismes hein, aérobies qui vont euh, prendre en charge donc ces, ces déchets verts et puis assurer leur euh, transformation enfin euh, il faut veiller à ce que ce compost soit humide en permanence sans jamais être noyé pour autant hein. Mais assurer une bonne humidité dedans, quand même, c'est quelque chose de souhaitable. Ce compost, plus il est mûr, et moins il active la vie biologique du sol, même s'il garde des propriétés en termes d'aération du sol, notamment, ou de fertilité à plus long terme. Le produit fini est certes très intéressant, à plus d'un titre, hein, comme nous venons de le voir, mais le processus est observé quand même dans son ensemble. On sait que la transformation du produit va s'opérer grâce au travail de tout, les, de tout un tas de micro-organismes présents dans le sol, euh, en très grande quantité d'ailleurs. Et les déchets à traiter vont donc nourrir, alimenter ces micro-organismes. Mais dans le composteur, pas dans notre sol. De plus, le compostage libère une grande partie de carbone, donc sous forme de CO2, parfois même sous forme de méthane, lorsqu'il y a euh, euh, fermentation, en fin de compte, hein, ce, qui, ce qui correspond à une, une mauvaise manipulation de ce compost, à un mauvais compostage en quelque sorte. Mais dans tous les cas ce carbone est irrémédiablement perdu pour notre sol, ce qui est quand même dommage. Vous savez maintenant que je considère mon sol comme un partenaire vivant, essentiel à la réussite de mes cultures. Alors pour moi la question se pose, hein, clairement. Pourquoi nourrir les organismes présents euh, enfermés en quelque sorte dans le composteur plutôt que ceux de mon sol L'enjeu, c'est aussi de maintenir un maximum de biodiversité dans mon sol. Par biodiversité, j'entends un maximum d'individus euh, et aussi un maximum d'espèces hein, représentées, puisque c'est cette biodiversité qui va quelque part garantir une régulation naturelle, disons, des agents pathogènes euh, et autres peut-être ravageurs, disons, de nos cultures. Alors, fort de ces arguments, nous avons choisi une alternative, c'est ce qu'on appelle le compostage de surface. Tous nos déchets domestiques compostables, ainsi que les déchets verts directement issus du potager, sont utilisés en couverture du sol. Ces déchets sont ainsi directement en contact avec les nombreux organismes détritivores euh, du sol, qui vont donc les prendre en charge, et en tirer profit pour le plus grand bien de notre terre. Nous capitalisons ainsi le carbone de nos déchets, au lieu de le laisser s'échapper dans l'air, et le tenons à disposition du sol. Ce compostage de surface est à réaliser toute l'année. Euh, les déchets d'ailleurs seront bientôt recouverts ici par une couche assez épaisse de foin. On y reviendra un peu plus tard. Ce qui est important, c'est que les organismes du sol qui sont ici mis à contribution vont euh, aérer ce sol et entretenir sa porosité, hein, ce qui va permettre une très bonne circulation de l'air et de l'eau dans notre sol. Le plus gros de ce travail évidemment étant réalisé par les lombriques. Donc en l'absence de tassement ou de piétinement de nos parcelles, nous n'aurons à terme, c'est-à-dire probablement à compter de l'année prochaine, plus besoin de travailler notre sol du tout. Voilà ce que je pouvais vous dire un petit peu sur la manière de gérer nos déchets, nos déchets verts, hein, et puis de nourrir notre sol dans le même temps. Alors on ne va pas renoncer du tout à notre composteur, il aura toujours son utilité, notamment pour accueillir eh bien, les déchets de légumes racines un peu encombrants, euh, betteraves, céleri, etc., qui pourraient être un peu plus compliqués quand même à composter en surface. Voilà. Allez, je vous dis à très bientôt au potager qui dit non.